Et qu'est-ce que tu manges petit déjeuner? Des pancakes avec des sirops d'érable. Un pancake, des pancakes, hein? Des salles ou des flocons un œuf et du bacon, du pain gris. Nos moutons. Tu dois impressionner un professeur. Comment fais-tu? Tu réussis. Ça compliqué de premier coup sans instruction. Tu sauves une potion sur le point de tomber grâce à la vitesse incroyable. Tu racontes une anecdote sur un sorcier connu. Que seules les histoires savent. Tu ne fais pas remarquer au contraire, tu l'impressionnes grâce à ton défouement envers ton éducation. Tu dois étudier une créature magique. Laquelle choisis-tu? Un elf de maison? L'hippogriffe?
Le Phoenix Dobby. C'est fini, c'est fini. Tu visites Préolard. Où vas-tu en premier? Zoko, magasin de... Le plume scribe ben la tête de sanglier je veux pas revoir ça, ça m'énerve. Quelle est ta saison favorite? L'été, printemps, l'hiver, l'automne. En bas aussi. Il faut rester hydraté, choisis une boisson magique. Bière au beurre, whisky, pur feu, jus de citrouille. Soda de bronchifleur. Choisis ton binôme d'une autre maison. Serdeg. Pensez par qu'ils ont une portable. Ça dégrit un peu souffle à Lisa. Alicia Spanner une griffe en dehors. Si je peux choisir un autre maison. Dégage, dégage.
Est-ce que ça peut... Non ! Prépare une potion. Potion anémésie. Polynétar. Oh. Potion de... Vieillissement. Potion de... Ratatinage. Est-ce que... Ah ! Tu dois... Demander de l'aide à un professeur, lequel choisis-tu? Professeur Rogue, il est intimidant, mais au moins il sait de quoi. Il part. Professeur Professeur McGonagall, son attitude absurde et excatement ce dont tu as besoin tout de suite. Professeur Lupin, patin et un thé. Intelligent et il est le prof parfait. Comme quelqu'un de très sage, comme le stratège du groupe, comme quelqu'un de confiance, comme le petit fourbe. Ton ami Gus, c'est le corbeau.